Si. Si. Il n'y a pas une situation, Dieu ne peut, pas prendre le contrôle. Donc le prophète, il est comme une clé. Vous savez, cette maison est une clé. Vous faites une maison, il y a une clé. Mais généralement, quand vous ne tombez pas sur la clé, vous avez l'impression que les portes ne s'ouvrent pas. C'est pour ça qu'il faut tomber sur la clé. C'est pour ça qu'il seulement quand on parle de maladie, il y a ce qu'on appelle les spécialistes. Si tu n'es pas tombé sur les spécialistes du problème, et tu as l'impression que le problème, rien n'a bougé. Donc le prophète est comme le spécialiste. Donc il séjourne quelque part. Les gens ont compris que la solution de ce problème-là se trouve entre la main d'Élisée. Ils ne sont pas allés quelque part. Ils sont allés vers l'homme de Dieu qu'on appelle Élisée pour lui dire ouvertement que voici ce qui se passe. C'est vrai que tu vis, tu es bien. Mais il y a un problème ici, dans ce village. L'eau est mauvaise et le pays est stérile, ça ne produit pas. Rien n'est produit ici. Parce que l'eau est très dangereuse. Regardez ce que le prophète a fait. Le prophète n'a pas convoqué une rencontre de prière. Non. Il leur a demandé un plan neuf. Il leur a demandé du ciel, symboliquement du ciel. Qu'est-ce qu'on appelle action prophétique? La Bible dit qu'il allait vers la source des eaux. Or, le village, c'est la source de chacun d'entre nous. C'est la source de chacun d'entre nous. C'est à partir de nos origines que tout se gâte, que tout se reconstruit. Tout se reconstruit là. Or, quand quelqu'un veut te détruire, c'est la source qui détruit. S'il a détruit la source, il vous a détruit. Or, si vous êtes béni depuis la source, vos descendants, tous ceux qui vont sortir de vous seront bénis. Ce serait que la délivrance ne soit pas s'arrêter au niveau d'Abidjan, dans les grandes villes. Nous devons aller à la source, pour prier pour les familles, pour que les familles puissent bénéficier d'une bénédiction. Quand vous constatez que le même problème, vous avez un problème, et tout le monde a vu les mêmes choses, ça veut dire que quelque part, la source était touchée. C'est-à-dire l'origine était touchée, la source était touchée. Donc il faut directement revenir là, à la source, pour régler. Donc le problème d'Élisée, il a compris qu'il fallait aller à la source. Et qu'est-ce qu'il fait? Le prophète ne prie pas. Il ordonne. C'est-à-dire qu'il a parlé. Or, le prophète, c'est un homme de parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il arrive. Donc, il ordonne, il arrête le mal. Il arrête le mal. Et c'est ça. Il dit, à partir d'aujourd'hui, et qu'il ne provenait ni stérilité, et tant qu'il a commencé à prophétiser, et la Bible dit, jusqu'à aujourd'hui, la chose s'est arrêtée. Or, oui. S'il y a un problème, qui est celui-là qui est venu arrêter le mal? C'est ça. Ce n'est pas question de prier pour un individu. Mais est-ce qu'on allait jusqu'à la source pour arrêter le mal? Vous n'êtes pas que le monsieur de Yahoo, le monsieur de Kofi, les deux sont dans la même famille, mais ils ont un vrai problème. Peut-être que c'est différent, mais c'est les blocages. On ne peut plus avancer à un moment donné de notre vie. L'autre est bloqué, il est intellectuel, il peut réussir, il a des projets, mais tout tombe à l'eau. On a l'impression que tout le monde a cette même vie. Alors il faut réfléchir. C'est pas une question de c'est vrai, on va à la prière. On va beau gêner, prier, mais si certaines choses ne sont pas réglées depuis nos origines, il sera difficile d'émerger. Or, c'est le prophète qui a la clé. Donc, le prophète vient, il ne prie pas. Sinon, il allait convoquer une réunion de prière. Il ne prie pas, il part, il ordonne. Et ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Donc, il a parlé et les choses se sont décanties aussitôt. Amen. Amen. Je suis ici parce que je vous aime. Vous le savez bien, pour parcourir, pour arriver ici, ce n'est pas facile.